Alléluia. L'esprit de la sorcellerie. La
sorcellerie ne définit pas seulement il faut bouffer quelqu'un. La sorcellerie n'est pas seulement il faut tuer quelqu'un. La sorcellerie, ce n'est pas seulement que non. La sorcellerie, c'est tout acte qui sont opposés à la volonté de Dieu. Amen. Ah, tu veux dire amen. Amen. C'est ça la sorcellerie. Amen. Lorsque tu te poses à la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu avait-il le locos, les sacrifices, il a dit que non, Dieu aime l'obéissance. Plus que les sacrifices. Alléluia. Christ, pour venir sauver l'humanité, la première chose qu'il a fait, il a obéi. Amen. Avant de faire l'offrande, avant de se sacrifier, la Bible dit qu'il a obéi. Lorsque nous lisons Ephésiens 2, nous commençons à faire la Bible dit que lui qui était Dieu, écoute bien la phrase, lui qui était Dieu, il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un seul serviteur. Même pas la forme d'un pasteur. Même pas la forme d'un prophète. Aujourd'hui, les hommes se disent, lorsque je suis prophète, lorsque je suis pasteur, j'ai toute la possibilité. Non, c'est faux. Le prophète et le pasteur passera tous ces choses. Nous tous, nous passerons. Amen. Devant le trône et sa gloire. Il a dit encore, ce n'est pas tout ce que me dit la Seigneur, Seigneur. Il est pas combien de l'homme, non. Ils verront les grands miracles. Oui, mon frère, les miracles ne te sauveront jamais. Ah, dis amen, mon frère. Les miracles ne te sauveront jamais. Si le miracle pouvait sauver quelqu'un, le peuple d'Israël ne voulait pas finir Christ. Amen. Qui sont les hommes de femmes qui ont vu la grandeur de Dieu depuis que tu es né? Qui a déjà vu la mer rouge se parader? Mais il y a une somme qui ont vu. Amen. Mais après avoir traversé, ils sont réunis de ce Dieu. Et combien de fois tu as eu des miracles de ces femmes? Combien de fois? Amen. Combien tu es toujours le premier à combattre Dieu? Amen. Combien de fois Dieu t'a montré la grandeur, la puissance? Lorsque les choses de ce monde disent non, lorsque la religion de ce monde, lorsque la maladie t'a mis depuis que tu es mort, c'est fini. Mais Dieu a démontré sa puissance. Il a démontré qu'il est celui qui l'appelle, ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Combien de fois? Combien de fois? Mais tu as toujours régné Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons prier. Oui, la prière, les miracles vont se passer. Mais après, Dieu a suivi qu'à côté de toi. Après. Amen. Ah, parle bien, ma soeur. Dis après. C'est toi la même personne. Tu vas revenir Dieu. Chaque jour, tu réunis Dieu par ton comportement. Chaque jour, mon frère. On a dit que le culte a commencé à 15h. Tu es la seule qui vient à 16h. Combien de fois tu as déjà parlé de ne plus venir à l'État? C'est la rébellion, la sorcellerie. Amen. Pourquoi? Parce que tu pousses les autres à parler. Amen. Les gens n'ont pas besoin de parler, mais tu les pousses. Tu les pousses dans le péché. Amen. On te dit qu'il n'y a plus d'engagement. La salle va te payer. Qui va payer la salle? C'est toi. Ça arrive là. Non, je ne vais pas. C'est la sorcellerie. Tu pousses les gens dans les mains. Tu connais la Bible. Tu n'as pas besoin de te forcer la Bible. Tu lis la Bible. Qui t'a déjà parlé? On n'a pas besoin de te dire. Comment va Dieu te redonner la vie? Et s'il s'agit de donner pour Dieu, ça devient problème. Il y a des jours, nous sommes partis enterrer l'un de nos frères. Un homme puissant, un homme qui a laissé le témoignage. Mon frère, je n'avais pas vu, je ne suis pas allé à la mort. Et il m'a amené la photo, comme il était à la mort. Ils ont mis deux photos, on a mis sa photo, et la photo, et le, là où il était dans le tombeau. Parce que ma nuit, la nuit, je n'ai plus dormi comme il faut. Je me suis vu dans sa place. Et mon frère, ne dit-on pas, ne cherchons pas. Tu t'en passes par là. A dit amen. Amen. C'est notre place. J'ai pris sa place, je l'ai levé et je me suis mis là. Le nouveau jour viendra. Et ça sera pareil. On mettrait une photo et les gens, oh my God. Si seulement tu connaissais la grandeur de Dieu, soeur, tu voulais être esclave de Dieu comme la prophétie vient de sortir. Tu voulais dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner pour que je garde encore cette vie? Cet homme n'est pas mort à cause.
péché. Il n'est pas mort avec une femme. On l'a pas attrapé avec une femme. Mais combien de fois tu es là? On t'attrape avec des femmes, des hommes, la domination, des paroles, des mille mille. Mais tu es d'accord dans ton avis. Amen. Il va nous toucher comment?
je vais vous dire une vérité, Dieu ne touchera jamais ton mari ou bien ta femme tant que toi tu n'es pas converti. Amen. Le problème, ce n'est pas le miracle. Si c'est le miracle, beaucoup de vous, si vos maris voulaient se convertir. Amen. Donc tu peux me dire amen, non? Amen. Si c'est le miracle, vos maris ne viennent pas me voir. Les enfants boitent, marchent, les femmes qui les mettent pour me soigner, de les voir des hommes. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils sont en train de prier à toi. Parce que ce n'est pas ça. C'est la conversion. Lorsque ton mari trouvera que Dieu trouvera que tu es converti, Dieu fera maintenant le miracle. C'est le même miracle qu'il a opéré dans les jardins d'Éden. Lorsque l'homme il était tout seul, il a opéré. Il a fait sortir l'homme, la femme. Donc lorsque toi tu prieras un esprit en vérité, ta femme, ton mari qui ne connaît pas Dieu, Dieu va opérer le miracle de conversion de la vie de ton mari. Amen. Oh. Tu vas le faire venir. Toi, tu vas témoigner, toi, je crois. Mais t'attends. On n'a pas dit qu'on vit. On vit une vie de rose. Non. C'est tout moi, c'est là-bas. Il faut avoir les hauts et bas. Amen. Mais aujourd'hui, même si je meurs, je suis sûr que Félix va pénétrer dans le monde. Amen, c'est la vérité. Mais au moins, j'ai gagné quelqu'un. Amen. Et lui aussi, il va faire la continuité. Amen. De sauver les autres. Des liens. L'esprit de la sorcellerie, la désobéissance, les désordres, les disputes, les guerres. Ce sont des esprits que Dieu m'a révélés. La sorcellerie, l'ennemi. Lorsque tu connais bien la vérité, ces choses bien, et tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu connais bien chez toi. Amen. Tu sais que non, il faut que je donne là, mais tu ne donnes pas. Tu pousses les autres à commettre les péchés. Qui est l'auteur? C'est toi. Amen. Qui n'a pas le problème? En fait, qui? Je vais donner une relation, mais tu regardes ma fille, Moïse. Les Parisiens dans l'Israël pendant 430 ans, 400 ans, dans la servitude. Ils étaient en train de souffrir, grandissant dans la souffrance. Nous, ne seulement un mois, une année, ton corps dit déjà. Mais grandissant dans la souffrance. Mais la Bible dit que, quand pourtant Dieu savait que les libérateurs l'étaient. Ah! Les libérateurs l'étaient là. Celui qui voulait le sauver, il était là. Il donnait même les ordres. Allez, Moïse, il était là. Celui qui voulait venir sauver le peuple d'Israël. Le moment que le peuple d'Israël soit en train de les libérateurs est là. Est-ce que tu comprends la révélation? Amen. Les libérateurs est là. Oh, Dieu, celui qui est compliqué. Dieu est compliqué. Combien de fois vous êtes nés dans la famille? Même père, même mère. Mais les libérateurs est dans la famille. Amen. Amen. Mais la famille ne voit rien. C'est arrivé. Amen. Le libérateur est là. Amen. Même le libérateur, c'est le plus méprisé de tout le monde. Amen. Mais Dieu vous laisse la confession. Amen. Vous êtes là dans la confession. Le libérateur est là. Tu ne verras toujours pas quelqu'un de ta famille. C'est toujours quelqu'un de ta famille qui t'amène à l'église. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Donc, si tu comprenais, tu voulais dire amen. Amen. Les églises pendant 40 ans, 400 ans, pas 40 ans, 400 ans dans la souffrance. Imagine-toi, Moïse était après la naissance, la fille ne fera pas la femme. Les libérateurs est là. Le père disait de la souffrance, de la servitude. Mon message commence. De la servitude, de la tourmente. Mais Moïse est là. Commence à grandir dans la principauté. On a donné même les presses d'Égypte. La Bible dit que Pharaon aima Moïse.
l'évangéliste. Pourquoi elle, mon frère, c'est le libérateur. Amen. Le libérateur.
Il arrive, il trouve lui qui était le prince d'Égypte. Mais il arrive comme ça, un Égyptien. Déjà, comment tu fais la confusion? Amen. Maintenant, le jour-là, un Égyptien et un Hébreu qui se bat. Mais mon frère, mais David dit, il donnait des ordres. Amen. Et puis, voilà, fais ceci. Mais le jour-là, Moïse commence à dire la confusion. Mais quel bas. Il vient aller taper l'Hébreu. La main dit que non, non, il ne fait pas dire non. Voilà, l'Égyptien-là, il a tellement beaucoup, il a fait quoi? Il a tué un Égyptien. Et qui a vu? Il n'y avait pas d'autre Égyptien à côté. Il y avait qu'un Hébreu. Amen. 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 Qui nous tue aujourd'hui? Nous-mêmes. Qui tue son frère aujourd'hui? Son frère. La Bible dit que lorsque Moïse finit, il a dit à la personne de part. Et lorsqu'il est là, il me dit encore. L'Hébreu là commence à parler. Il commence à provoquer Moïse. Mon frère, je vais te dire, lorsque la croix de Dieu est sur toi, lorsque Dieu met une main sur toi, ton ennemi, ce n'est pas quelqu'un de loin. Ton premier ennemi, c'est lui qui est près de toi. Il a comme tu as tué hier, yeah. On fait les choses qui étaient cachées entre nous, toi, t'es l'Hébreu. Il a fait quoi? Il a fait cela. Tu veux me tuer comme tu avais tué celui qui t'a tué, yeah. Les gens n'étaient pas là, personne n'était là. Mon frère, mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté les gens. Les gens disent que il a tué quoi? Amen. L'esprit de la sorcellerie. La personne qui a dit, c'était pas un Égyptien, un Hébreu. Elle dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien là, hier. Et je dis, oh, il a tué mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, ton ennemi ne cherche pas loin. C'est lui qui toi tu veux sauver, c'est celui qui veut te tuer. Je le sens, mon frère, je ne mens pas. Parce que le sang coule. Je sens le sang. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. L'Esprit de Dieu, c'est le véritable détecteur. Il détecte tout. Même dans les noirs, même dans les secrets, il détecte tout. Je peux te rigoler comme ça, je t'ai déjà vu. C'est pas parce que je rigole avec toi, mais je t'ai déjà vu. Je n'ai pas le temps de parler avec toi. Je n'ai pas besoin de parler, de discuter avec toi. Tu ne fais pas partie de mon genre. Amen. C'est le temps où nous sommes arrivés, c'est le temps du genre. Alléluia. Amen. La faiblesse n'est pas une force. Amen. La faiblesse, c'est une puissance. Amen. Lorsque je suis faible, Dieu m'élève. Amen. Lorsque toi tu es fort, Dieu te descend. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont partis, dit, c'est sûr, la chose est arrivée à qui? À l'office de Pharaon. Les gens feront des recherches pour ta vie. Amen. Amen. Dit, il faut qu'on fasse des recherches. Amen. T'es tué. Amen. N'aie pas peur. Amen. Mon frère, tout ce que tu subis, si ta conscience ne te condamne pas, n'aie pas peur. Yeah.
l'année. Amen. Ça va. La révélation. Je suis pressé. Hein? Demain. Parce que ta conscience. Amen. Regarde ta chair. Amen. Ouais, ma soeur, mais tu n'arrives plus. Parce que tes yeux ne peuvent plus fixer la place. Parce que tu as dit des choses. Parce que tu as fait du mal. Parce que tu as fait tourner le son dans le secret. Tu as fait du mal, tu as blessé. Maintenant, la conscience dit, tu n'es pas dit de saluer la personne. Tu n'es pas dit, alléluia. Prédicateur. Cette année, c'est l'année de conscience. Amen. Tu vas agir par ta conscience. Amen. Qui t'a fait fouiller l'église, c'est ta conscience. Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Tu viens de la l'église, pourquoi? Ta conscience. Amen. Mon frère, même si aujourd'hui, on me dit que Sandrine a fait ceci, mon frère, je vais filer l'église avant de Sandrine. Amen. Non, si je fouille l'église, ta conscience. Amen. Amen. On t'a accouché avec les têtes. Mon frère, je n'ai pas couché. Et on m'a dit que j'ai couché. Mon frère, je n'ai pas couché. Mon frère, où est mon problème? Amen. Où est mon problème? Mais pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu t'es justifié? Pourquoi tu cherches des témoins par-ci, par-là? Mon frère, le plus grand témoin de notre vie, c'est notre conscience. Acclame Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dois te libérer. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ arrive devant le diable, la Bible dit qu'après 40 ans dans le désert, la Bible dit que Dieu envoie. Jésus dans le désert, après avoir passé 40 jours de chair. Mais Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un, un fainéant dans les terres. Même s'il était le fils de Dieu, Dieu voulait éprouver Christ, de voir qu'il veut y voir aussi la mission. Après avoir géré 40 ans, Dieu l'envoie dans le désert pour faire voir être tenté. Il arrive dans le désert. Mon frère, la Bible dit que Jésus a eu faim. Et la Bible dit que premier invité de Jésus, c'était qui? Lucifer, Satan, premier invité. Mon frère, lorsque tu es dans les situations difficiles, ton premier ennemi, c'est qui? Satan. Amen. Il venait te dire, mais, États-Unis, tu es sûr vraiment que celui là t'aime? Tu es sûr? Il commence à prendre ta conscience. Amen. Il commence à le dire, est-ce que tu es sûr qu'il t'aime? Est-ce que tu es sûr vraiment? Les manies la terre. Je te dis, si tu aimes, essaie un peu de faire ceci. Mon frère, tu ne peux pas tenter Dieu. Amen. Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. Amen. Le diable, il arrive et dit, tu as fait. Si tu es le fils de Dieu, ordonne de ses pères. Mon frère, Jésus ne pouvait plus le faire. Pourquoi le diable a tenté Jésus? Parce qu'il avait reconnu la multiplication du Père. Il y a les guerres qui se passent. Habille-toi bien, prends l'avion, va atterrir dans l'avion de Congo, je ne sais pas où. La balle va te prendre. Amen. Oh, je suis Dieu avec Dieu. Je suis mon frère. Jésus, Dieu ne travaille pas avec les gens désordonnés. Amen. Mon frère, tu ne dois pas tenter Dieu. Parce que tu es la femme de Dieu. Tu es un garçon, une fille, tu vas dans la maison d'un garçon. Amen. Frère. Ça va? En fait, c'est un garçon, c'est une ludique. C'est un courrier de chez vous. Amen. Non, frère, tu sais, en fait, le garçon de ma sœur, ça va? Il va faire quoi? Il passe devant. Amen. Il dit, j'arrive. Il va bloquer la porte. Amen. Il dit, ma sœur, ça va? Amen. Il revient. Tu veux quelque chose? Mon frère, lorsque le garçon va te violer, la faute est qui? Amen. Qui a provoqué l'autre? Mon frère, on ne peut pas mettre le condo avec quoi? Les gars. Arrêtez ça, alléluia. Amen. Arrêtez ça. Non. Il y a des limites entre un garçon et une fille. Il y a des choses qu'un garçon et une fille peuvent faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Amen. Amen. Avance. Oh, je dois avec mon cousin. Mais mon cousin va vous prier. Il va prendre les billets. Il traverse. C'était ma cousine qui était là. Ah.
pied de ton mari là, tu connais? Le matin que tu dis, tu avais fait ceci, tu as dit, moi? Mon frère, ne jouez pas, ne tentez pas Dieu. Amen. Ce sont des liens. Amen. Il y a eu des filles ici, ces filles qui sont sorties avec leurs cousins, leurs cousines. Ce sont des liens. Amen. 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 Lorsque l'esprit de périsité commence à une fille ou à un garçon, le premier signe c'est quoi? L'habillement de la personne. Amen. La personne doit commencer à s'habiller d'une manière de tenter, de provoquer. Amen. Et lorsque je mets, et moi je suis là, je mets une petite jupe ici, entre nous. Entre nous. Qui va tomber? Tous les hommes de l'église vont dire. Restez-moi, hein? Dedans. Il y a l'habillement et l'habillement que nous ne pouvons plus permettre au sein de l'église. Alléluia. Une fille chrétienne, une femme chrétienne, la robe et tout vont passer les genoux. Amen. Donc ça vient ici, c'est le bien la prostitution. Nous prêchons ici, c'était le seul de femme qui conduit ici. Il y avait des collants serrés. Bon, mais vous voulez qu'on en ait qui? Il y a des amis que vous ne pouvez pas mettre ici. Tu prêches, tu vois, avec des amis bizarres, comme les militaires. Non. Tu dois avoir des habits positionnés pour quelqu'un qui a dit de faire l'édifice de Dieu. Amen. Des belles habits que tu es dans le placard, tu les gardes pour qui? Lorsqu'il va dire soirée, les gens enlèvent les habits. Mon frère, un enfant de Dieu, c'est où je vais m'habiller? C'est quand il va dans l'église. Amen. L'année qui vient, je vous allez le promettre. Amen. Chaque jour. Mon frère, l'habillement, toi, tu mets le pantalon serré. Mais pas à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des accoutrements qui séduisent. Ce sont des esprits de séduction. Ah, clame Jésus, mon frère. Tu ne peux pas t'habiller comme le monde te montre à t'habiller. Parce que la Bible dit, vous êtes mes témoins. Comment pourrais-je aller témoigner Christ avec un habillement qui n'est pas digne? Amen. Amen. Mais lorsqu'on va te dire, tu vas sortir avec ton mari, tu vois les gens qui se croient bien. On fait pour un mari qui t'aimait, va mourir, il va partir. Ou la femme, mais l'homme qui t'épouse, celui qui t'amène dans son royaume, c'est celui-là que tu dois te revêtir un véritable habit de fête. Parce que chaque fois que tu viens de la maison de Dieu, tu viens dans une grande fête. Tu viens souper avec celui qui est insoupçonnable. Tu viens souper avec celui qui te donne une routine que personne ne peut te donner. Aujourd'hui, la routine que le monde te donne, on peut me donner un vrai repas de caviar. Je peux tout goûter. Le lendemain, je vais aller les déposer là-bas. Alléluia. Mais ce qu'on me donne, c'est une parole que personne ne peut me suturer. Cette parole peut être entravée au tableau de mon cœur. Situation, les raisonnements de ma conscience reviennent en place et je commence à raisonner que non, c'est Dieu qui a dit, même quand je suis dans les temps de faiblesse, que je place avec lui une confiance. Alléluia! Jamais de caviar, jamais de langouste, tout ce que tu manges de meilleur ne peut te dire un mot. Amen. Amen. Jamais un ami que tu as mis, je ne sais pas quoi, te dira un mot. Amen. Les gens croient que le fait que je mets une habit riche, mon frère. La beauté d'une femme ne vient pas d'un habit. Amen. Il y a des gens ici, là, ils sont esclaves de Christ. Amen. Mais soyez esclaves de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens, mon frère, si ces jours-là, ils n'ont pas acheté un habit nouveau. Mon frère, achète-toi chaque jour le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet homme qui est mort, il aimait beaucoup s'habiller. Amen. Il aimait beaucoup s'habiller. Combien les habits? Vous, les journalistes, vous étiez là. Combien vous l'avez mis? Combien il est parti avec? Parce que c'est vous qui avez filmé. Combien il est parti avec? Combien de costumes? Rien. Pourquoi mon frère, tout ce que je mets là, quand je vais partir, rien. Mais mon frère, je préfère partir avec celui qui me donnera la vie de fête. Amen.
la sorcellerie. La sorcellerie. Tu ne réalises pas ta vie. Tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Regarde un peu le bilan de ta vie. Combien de temps tes amis sont partis les champs payés. Mais toi, tu es arrivé là, toi et ta famille, même tes parents, tu sont des mauvais, des sorciers. Mais à cause de toi, Dieu les protège. Amen. La Bible dit que lorsque les parents rient, Dieu permet qu'on rejette Moïse. Moïse qui vivait dans la gloire. Il y a des situations où quand tu étais dans le monde, tu marchais dans les belles voitures, tu marchais dans les Mercedes. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu va te faire revenir à l'air. Il faut que les gens commencent à te pointer le doigt. Ça c'est ça. C'est là qu'il faut bénir Dieu. Lorsque les gens ne t'ont pas quand tu es assis, ça veut dire que Dieu n'est pas encore avec toi. Alléluia. Dis amen, mon frère. Ça veut dire que Moïse est sorti dans la pauvreté avec un manteau. Et il sortait, partait dans le désert. Mon frère, pourquoi dans le désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas le père. Dans le désert, il n'y a pas la mère. Dans le désert, il n'y a pas d'amis. Dans le désert, il n'y a pas la famille. Dans le désert, il n'y a que les scorpions. Alléluia. Il n'y a que les sympas. Il n'y a que les choses bizarres. Mais là, dans le désert, c'est là que tu dois apprendre à combattre avec les loups. Tu dois apprendre à combattre avec les lions. Tu dois apprendre à combattre avec les sympas. Tu dois apprendre à combattre avec les choses que tu ne peux pas combattre. Alléluia. Le désert, c'est une formation de tout tes bons chrétiens. Tu ne passes pas le désert, tu ne peux pas être un ennemi de Dieu. Amen. Parce que dans le désert, tu es face au lion, tu es face au scorpion, tu es face à personne à gauche, à droite, ni ton père, ni ta mère, personne. Tu as une seule personne qui est capable de venir te sauver. Lui vient là par gauche, à droite, lui vient d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit que le roi David avait compris. Lorsqu'il était devant, entouré des déserts, des situations, il a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Mais je donne le Dieu vers celui qui est au-dessus des montagnes. Amen. Quel que soit le nombre de montagnes que tu traverses, c'est le nombre de ton élévation. Alléluia. Ah, tu as bien. Moïse quitte le désert. Il va tomber encore. Où? Dans une famille de mendiants. La Bible dit, lui qui vivait dans la cour. Vous savez, imaginez un peu. Lorsque les enfants de Moïse, leur père est tombé. Les gars avaient ces enfants-là qui mangeaient dans les tables. Excellent. Aujourd'hui, ces enfants-là commencent à demander les choses vers les gens comme nous. Alléluia. Amen. Voyez un peu, tu vivais dans le luxe. Mon frère, mais à un moment donné, tu les vis. C'est pourquoi vous voyez que les hommes de femmes qui ont vécu dans l'excellent, dans les grandes choses, lorsqu'ils tombent, ils vont devenir des drogués, des bandits, parce qu'ils n'arrivent pas à souffrir. Ils n'ont pas connu la vie de souffrance. Mais lorsque Moïse arrive, il accepte des conditions. Mon frère, lorsque tu es appelé, préparé par Dieu, tu vas accepter les conditions. Aujourd'hui, c'est ce qui nous détruit, parce qu'on n'accepte pas les conditions. Moïse est arrivé, il a commencé les conditions. Et Moïse arrive, il ne se marie pas avec un hébreu, il se marie avec une égyptienne, un étranger. Compliqué encore, alléluia. Amen. Dit amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, tu ne prendras pas de femme étrangère. Mais Moïse arrive, il ne prend pas d'une femme étrangère. Il commence à perdre les prébis de son bon père. Mon frère, tu ne peux pas servir Dieu tant que tu sois un bon berger. Moïse, il a vécu dans les coupes, dans les soupes, les meilleures soupes. Mais quand Dieu répond, il était revenu le plus petit. Il commence à perdre les troupeaux. Vous savez la souffrance de cet homme. Moïse a fait toute sa vie de désert à désert. Vous savez, tu peux être parmi les gens que Dieu dit, parmi ceux-là que le désert est désert.
Amen. Et si tu ne comprends pas les langages de Dieu, tu passes là. Amen. Mais la seule chose, Dieu n'a pas laissé Moïse dans le désert, le désert, alléluia. Amen. Mais quand le temps est arrivé, le nom de Dieu qui avait permis à Moïse d'aller dans le jardin, c'est-à-dire, dans ce désert, il s'est révélé à Moïse. Mais compliqué encore. Mais pourquoi Moïse est quitté? Moïse a quitté l'Égypte. Mais pourquoi Dieu m'a encore cherché Moïse ailleurs? Et pourtant, c'est à l'Égypte que les gens sont décriés. Alléluia. Amen. Tu peux être partout. Tes parents peuvent être sur ce toit de la guerre. Dieu te suffira. Amen. Alors, est-ce que tu comprends? Amen. Si c'est toi qui vas libérer la famille, quelque soit tu peux aller au fond du pays. Amen. Dieu te retrouvera toujours. Amen. Mais la Bible dit que lorsque le temps arrive, Moïse arrive. Il va en mission. Il va en mission face à qui? C'est là que le message commence bien. Amen. Il dit qu'il va en mission contre qui? Contre Pharaon. Moïse avait déjà vécu cette quoi? Moïse connaissait les secrets de Pharaon. Moïse connaissait la sorcellerie de Pharaon. Personne d'autre ne peut délivrer ta lumière de toi-même. Amen. Toi, tu connais la sorcellerie de ta famille. Amen. Tu connais les liens de ta famille. Amen. Tu connais ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut révéler ta vie comme toi-même. Il n'y a personne qui peut révéler connaissez les secrets de Pharaon. Toi, tu connais les secrets de ta famille. Amen. 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 Même si 10% tu ne connais pas, moi, 80% tu connais. Amen. Tu as déjà écouté l'histoire de ton grand-père. Tu as déjà écouté l'histoire de ta grand-mère. Ta grand-mère était qui? Amen. Ton grand-père était qui? Amen. Ton père était qui? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les liens? Qu'est-ce que les totems? Qu'est-ce qu'ils ont planté? Tu connais, alléluia. Amen. Amen. Prenez la Bible. Amen. Alléluia. La Bible est nette. Qui sont ceux qui ont médité sur ce message? Amen. Amen. Prenez vite la Bible, Lévitique 18, on va commencer. Verset combien je vous ai donné? Je lis la parole de Dieu dans le livre. Écoutez bien ce message. Nous sommes dans les jours de délivrance, s'il vous plaît. Oui. Lévitique chapitre 18, verset 9. Mmh. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fils de ton père ou fils de ta mère. La nudité. Alingala Bolungu. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Continue. Né dans la maison ou né hors de la maison? Celui, celui qui naît de la maison ou ceux qui sont nés dehors. Donc, des petits. Hein? Des petits frères, des petits sœurs. Qui sont nés en dehors de la maison. Vas-y. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Continue. Car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère,
car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont les proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point. Ici, le Seigneur parle des liens. Amen. Amen. Lors desquels nous ne pouvons pas rater à l'ennemi avec les liens. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle, donne-moi de l'eau. Il dit qu'il ne découvrira pas la nudité pour l'umbu de ton père. Nous sommes dans un pays développé comme tout le monde le croit. Aujourd'hui, tout est permis en Europe. Tu verras qu'il mère ou bien père, nous tous, mais moi qui te parle, je fais ses erreurs. Papa, je suis dans la douche, il y a mon fils qui vient voir, je suis né. Mais c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Un enfant n'a pas le droit de voir la dignité de son père. Il n'a pas le droit de voir la dignité de sa mère. Alléluia. Amen. Ce sont des choses abominables. Amen. Aujourd'hui, tout est permis. Je paie dans la maison. Je mets une petite, je ne sais pas quoi vous comprenez. Je défie dans la maison, je suis française. Tu es française, tout, tu es prends tout. Ou bien toi, tu viens tout. Alléluia. Il y a des accoutumements qui n'est pas permis. C'est ça qui pousse les enfants de la pornographie. Les enfants voient ce que les parents font. Ça pousse les enfants à dire papa et maman, ils ont fait ceci. Lorsqu'on était petit, on était petite, on était en train de voir les enfants dans le pays acter et imiter les parents. Et tu peux me dire amen? Il est déjà un homme. Il n'est plus
Nathanaël. Le temps vient non à l'âge de 12, 13 à 14 ans. Tu es personne de divine. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, étant homme de Dieu. Mais tant que tu as un esprit d'impilicité, tu peux être un homme puissant. Tu peux même faire transporter ces montagnes. Mais lorsque les liens de l'impilicité n'est pas tombé, l'homme de Dieu, tu tomberas. Amen. Ah, dis amen. Amen. Tu tomberas. Amen. Parce que c'est un lien. Et ça, c'est pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les liens, c'est quoi? Donnez-moi une ficelle. David, donne-moi. Qu'est-ce que les liens? Aujourd'hui, les gens jouent avec les liens. Les liens, c'est quelque chose qui est grave. Lorsque tu ne comprends pas qu'est-ce que les liens, tu ne seras pas allé loin. Donne-moi seulement ça. Qu'est-ce qu'un lien? Alléluia. Amen. Ça, c'est la fille. La fille de qui? De qui avec qui c'est qui? Maintenant, la fille est là. Elle a toute une beauté. Alléluia. Amen. Une fille belle, tout. La beauté physique, personne ne discute. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans son foyer, comme aujourd'hui. Maintenant, elle a un lien. Elle est liée là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là. Allez, marche. Elle vient. Viens, viens, viens. Elle marche. Viens, elle vient. Elle vient, elle vient, elle vient. Elle vient, elle marche. Voyez? Elle ne peut pas aller loin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Amen. Elle ne peut pas aller loin. Mais elle a toute une marche à faire. Vous voyez ça là? Elle peut marcher. Elle peut faire ses études. Mais il y a des moments où, lorsqu'elle veut rentrer dans sa bénédiction, elle est obligée de retourner encore à place. Parce que la ficelle n'est pas coupée. Amen. Elle ne peut pas s'échapper. Pour qu'elle s'échappe, il faut qu'on coupe le cordon. Amen. Maintenant, quand on va couper, elle est la fille de Emmana et de Vic, physiquement, mais spirituellement, elle est détachée de tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a des gens qui viennent, mon frère, tomber, élever, ou bien te faire tomber. Ce n'est pas ça la délivrance. Alléluia. Amen. Oh, tiens, amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, mon frère. Mais pourquoi tu n'es pas, pourquoi tu n'as pas ta vie? Tu ne peux pas. C'est comme je vous ai parlé la fois passée. Tu analyses pas bien ta vie, essaie d'analyser. Fais un peu d'analyse. On veut faire marcher l'église comme toi tu le fais. Et pourtant, toi tu vas te soumettre à l'ordre de la volonté de l'église. Alléluia. Vertueuse, mon frère, le samedi, elle a tout préparé. Même un homme, il n'y a pas que des femmes. Moi, j'ai mon homme qui est là. Mon frère, le matin, il me met. Amen. 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 Ce que j'ai semé avec des larmes, il y a des moments, je moissonne avec le chant de l'église. Amen. Tu vois, le matin, il sort le matin, il va acheter des avocats. Des poissons. Il met dans les bâtons. Il me chérit. Alléluia. Amen. Parfois, je fais la fierté. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, le matin, quel matin hier, je l'ai écouté un petit peu. Il y a des voilà qui m'ont donné cette montre-là. Il m'a acheté ça. 800 euros. Amen. 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 C'est bien avec tes larmes. Je m'assure. Alléluia. Amen. Chérie, bonne année, verset. Je faisais, lorsqu'il parlait, je
sauver. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi vous allez sauver vrai? Parce que toi, tu n'es pas confié avec Dieu. Amen. Pourquoi tu veux qu'il soit vrai avec toi? Amen. Parce que déjà, aujourd'hui, ma rébellion est grise. Maintenant, si Dieu commence à toucher ton mari, on va dominer mon mari, on va dominer ma vie. Non, soit, tout le monde fait la paix. Alléluia. Tu as touché un mot. Moi, pour faire français, viens voir parler français. English, je vais te dire. Indien, je vais te dire. Quel français tu connais que moi je vais dire? Dis-moi, quel français? Amen. Tu vois quel français? Je ne peux pas le constituer. Toi, tu parles physique, moi je parle spirituel. Amen. Amen. Yes. Mais parce que vous ne comprenez pas. Il y a tellement de liens qui vous lient d'avoir sorcellerie. La sorcellerie qui a été de tuer aujourd'hui les hommes de Dieu. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu perdent aujourd'hui. Mon frère, je vous dis la vérité à cause de vous. Amen. L'homme de Dieu vient vous donner la parole de Dieu. Après, c'est quoi? Payer la salle. Chasson. Tout ce qui me donne aujourd'hui, ma boutique. Avant la salle, avant même la salle, la couleur de tout. Pour ceux qui n'ont pas donné la dîme, va déposer sa dîme. Dieu te bénisse, Amen. Amen. Tu vas déposer la dîme parce que c'est le vol. Parce que nous voulons commencer l'année. Ceux qui n'ont pas donné la jambe de la salle, ils vont donner ma salle. Ceux qui n'ont pas donné mes paniers, ils vont donner mes paniers. Comme ça, on va libérer l'année prochaine. Parce que mon frère, j'ai une alliance que Dieu m'a dit de faire. Et c'est le don de Dieu. Il n'était pas dans ma chambre quand mon fils a prophétisé. Il m'a appelé. Il a dit, ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Amen. Les mêmes visions que j'ai eues, que Dadou a eu, les mêmes visions. Dadou m'a expliqué, après 40 minutes, papa Mosengo, le président pastoral, m'a appelé, m'a confirmé la chose telle qu'il était. J'ai crié, j'ai pleuré. Il dit, oui, mon frère, ma soeur, ne cherche pas loin. La faute est à toi. Amen. Amen. N'allez pas loin. Amen. Ne passez pas de l'autre côté. Amen. Dieu bénit l'iniquité de paix. À la troisième jusqu'à la quatrième génération. Et il bénit la bénédiction à la troisième jusqu'à mille. Dieu te limite à la malédiction quatrième parce que tu es voué. Mais la bénédiction mille générations de générations. Je te dis, mon frère, ma soeur, nous vivons, voyons dans le monde, ce que Dieu a dit à Abraham. Il y a une grande différence entre la bénédiction et la richesse. Peut-être tu as dit avoir la richesse de ta famille, qui est la sorcellerie. Les comportements que tu as, lorsqu'on te voit, on voit tout ton père crachant. C'est un lien. Amen. Je connais, j'ai un neveu. Quand il marche, c'est comme papa. C'est-à-dire, tu n'as même pas d'écrit. Même quand il passe, ce sont des liens photocopiés. Mon frère, une personne comme ça, même quand il part, tu vas coffrer où t'es. Les liens, c'est ce qui bloque notre vie. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas percer. Moi-même qui vous parle, je suis passé de la délivrance. Amen. J'ai avoué. Mon frère, on m'a coupé, mon frère, depuis que je suis né. Moi, mon nom, écoute bien, je m'appelle, mon prénom c'est Bernadette. Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'était derrière le nom Bernadette. Mes parents m'avaient donné, en me donnant, c'est, comment on appelle ça, les femmes là qui sont dans le pouvoir là. C'est une sœur qui m'avait donné. Oh, c'était un lien. À condition de la parole de Dieu, c'est là que Dieu coupe. Là, j'ai changé mon dette. Mon nom qui n'a même pas appelé, c'est Bernadette. Mais d'ici peu, je vais vraiment les mettre et ne pas payer mon dette. Dieu a dit, c'est pas mon dette. Bernadette, c'est ce qu'il y avait un lien qui était là. Il y avait un lien. Il y a parfois les noms que tu portes. Il y a un lien. Amen. Ces noms-là, il y a parfois lorsque tu es né dans l'hôpital, il y a eu des sacrifices qui étaient offerts. Tu ne connais pas. Il y a eu des enfants, quand elle était petite, on te lavait avec deux. De mon coup à mon converso. Amen. Que tu sois fort. Des autres avec des lots, ce sont des liens. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devons séparer ce qui est de la chair
et c'est avec un esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de vous, vous êtes là. Tu vois le comportement que tu fais. Une fille comme Gaze, je vais la révéler aujourd'hui. Beaucoup de choses que Gaze fait, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est rien. C'est pas elle qui m'a dit, Dieu m'a révélé. Amen. Comme ça, Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois. Elle subit tout ce que sa mère subissait. Tout ce que sa mère subissait, c'est ce que Dieu subit. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne ment pas. Les liens nous tuent. Les liens nous éloignent de ce que nous pouvons. Amen. C'est-à-dire, la mère de Dieu, je ne l'ai pas connue. C'était une femme qui portait le fardeau des autres. Amen. Et c'est une femme qui a souffert. Amourable jusqu'à sa mort. Il était jaloux. Parfois il n'a rien fait, mais tout tombait sur elle. Donc mon frère, Dieu ne peut pas maudire ce que tu subis. Alléluia. Amen. Ah, dis amen. Amen. Lorsque le temps du père sonnait, la maman a pu connaître, donner à Dieu, on s'est donné à Satan. Le jour qui a tourné ses deux chemins. Ce sont les gens qui sont venus prendre tout ce qui était de meilleur. Ils sont partis avec. Et ils ont déposé ce qui était de mauvais. Et les enfants grandissent. Ils ne sont pas. Et la maman les a amenés dans une église qui n'était pas de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont soumis. Mais qu'est-ce qui est bon? Parce que c'est comme Moïse, la grâce de Dieu était là. Donc c'est pourquoi Dieu faisait tout. Que cette femme croise. S'aligner pour que ses enfants soient libérés. Amen. Aujourd'hui, mon frère, l'ignorance de l'aveuglement nous tue des liens. Nous condamnons nos enfants. Nous condamnons les enfants. Mon frère, les enfants, ils ont fait quoi pour mériter ce qu'ils ont fait? Amen. Si cela ne vient pas de toi, Amen. Ni de ta famille. Amen. Ce que tes parents font aujourd'hui, examine le rôle. Mets-toi debout. Moi, je suis debout. C'est pas comme il y a Amen. C'est ça, ce sont les liens. Maintenant, ferme tes yeux. Commence à t'examiner. Commence maintenant à t'examiner. Examine-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fait pas avancer la vie? Commence à t'examiner. Debout, quand vous allez prendre votre place. Parce que nous allons commencer. Nous allons décoller. Lorsque tu attends quelque chose de Dieu, ça demande une position. Mon frère, pas une position. Que tu attends d'attendre quelque chose. Prends ces quelques minutes, secondes, comme un temps de réflexion. Si tu as les talons, enlève déjà tes talons. Tout ce que tu as l'air. Pour que tu sois à l'aise. Nous sommes là pour couper les liens. Dieu dit, et puis allons, je l'ai l'église, Éphèse.
l'adoration, ça va chauffer de la salle. Les commandos, soyez prêts de la salle. Tu es là.